Thank you.
Tu es là, Jésus. Tu es là sur ce tous. Tu es là parmi nous, Chakamanaché. Oh, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur, merci. Tu es Dieu. Thank you.
Thank you.
Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâté.
tirage. Entrez dans ses portes avec écrit des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dira toujours. Et sa fidélité de génération à génération. Amen. Amen. Nous voulons louer Dieu des chansons. Avec l'équipe des louanges. Nous voulons louer Dieu. Respire, nous le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes fatigués. Ah, nous voulons louer Dieu. Oh,
Thank you.
J'invite l'homme de Dieu. Notre pensée, tu veilles pas simplement l'Éternel. Amen. Qu'on aura cette scène aujourd'hui. Mais j'aimerais que cette scène, en ce deuxième dimanche de ce mois de février, soit sous le signe de la consécration et de notre préparation à ce que de l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, j'ai fouillé un peu, j'ai trouvé une interprétation, une définition de la sainte scène. Non de l'hébreu, non du français, mais du latin qui signifie tout simplement repas du soir. Amen. Repas du soir. Et nous savons tous que selon ce que Paul dira un jour à l'église de Rome, que nous sommes au temps du soir, alors que l'homme est proche, nous sommes au temps du soir et le Fils de l'homme est sur le point d'arriver. Alléluia. Alors que nous sommes en train de traverser le soir. Je veux que ce matin, tu puisses avoir cette conscience-là que tu es au temps du soir. Et en ce temps du soir, le Seigneur veut prendre ce repas avec toi. Il se peut que là où tu es éloigné de Dieu. Il se peut que là où tu es, la distance avec le Seigneur est très élargie. Mais je veux ce matin, par ces courts moments, que tu puisses te rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, avant que nous puissions passer cette scène, prie le Seigneur là où tu es, et prêt à manger à la table du Seigneur. Dis simplement un seul mot à Jésus. Dis simplement que tu veux revenir à ses pieds à l'instant. Pas demain, pas dans 3 minutes, pas dans 5 minutes, pas dans 10 minutes, mais à l'instant, tu veux revenir aux pieds de sa croix. Et que pendant ces quelques minutes, qu'il puisse te faire du bien. Élève la voix là où tu es et prie en nom du Seigneur. Bien-aimé, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta marche, il s'agit de ton éternité. Alors prie là où tu es pendant une minute que je t'accorde. Alors que nous sommes en train de traverser le soir. Alors qu'il revient bientôt, il a dit. Prie. J'invite la diaconesse Lélie ainsi que la servante de Dieu Émilie pour m'aider. C'est cool, ça se voit. Pour ton corps qui nous a rapprochés du Père, nous qui étions étrangers, nous qui étions loin, Seigneur. Et que par ce corps, Seigneur, ô Dieu, tu puisses te souvenir de l'œuvre de la croix. Et quiconque en cet endroit, Seigneur, bénéficie, Seigneur, de Golgotha éternel de gloire, de ce corps mystérieux qui a été cloué, Seigneur, mais qui a été rendu, Seigneur, au Dieu de gloire, qu'à la gloire voulue que par Dieu le Père, éternel Dieu de gloire. Je te consacre, éternel Dieu de gloire, que ce vin
rempli de ton onction, incarne et touche ce naturel, capable de transformer, de connecter à nouveau, Seigneur, votre Dieu, ceux qui sont à toi, éternel, de gloire et les armées en ce moment. Seigneur, je prie que tu localises dans cet endroit des enfants, ceux qui t'appartiennent, éternel, de gloire, ceux que j'ignore et ceux qui sont à toi. Comment que, Seigneur, le ciel te coupe, Seigneur, que tu puisses te souvenir que nous, quelles que soient nos fautes, nos iniquités, nous voulons, Seigneur, nous oublier dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, pendant ces quelques minutes à ta table, Seigneur, pour Dieu de gloire, que les âmes aient partagé ce moment. Merci pour ton sang, Jésus, qui a été versé pour le salut de l'humanité, pour le salut d'un bien-aimé en cet endroit. Et que, Seigneur, ces minutes, Seigneur, lui soient favorables. Parce que je sais que tu es le Dieu vivant et que tu es vivant dans cet endroit. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, merci pour ta consécration. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai invité tous ceux qui se sont préparés pour cette table. Nous éteignons debout à leur place. Ceux qui sont baptisés par immersion. Ceux qui se sont préparés. Ceux qui se sont préparés pour cette table en semaine debout. Nous allons passer au service qui va passer au milieu du rocher. Au fait, si tu peux me jouer Elias, pendant que la table va passer. Thank you.
tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Thank you.
pas. Il te réveille pour saint époux. Je connais pas les choses, les sans retour. Là-bas, c'est là-bas. Renouvelle ton attachement. Renouvelle ton attachement. Là-bas, ça n'est des beaux chants, des beaux chants. Encore quelques minutes, prions. Attire les brebis perdues vers le Seigneur des hommes. Précieux Saint-Esprit, par ta puissance, consacre à nouveau ce qui t'appartient. Merci pour les âmes qui t'appartiennent. Merci pour ce don, ce privilège de s'approcher encore de toi. Merci pour tous les bénéfices, les avantages qui sont attachés à ce don et que nous jouissons, Seigneur, à partir de maintenant. Que toute la gloire te soit rendue pour les vies qui sont devant toi, pour les cœurs qui sont purifiés, pour les esprits qui étaient morts, qui sont ramenés à la vie. Les corps qui étaient morts, ramenés à la vie, les âmes, car la Bible dit l'âme qui pêche, c'est qui voit. Mais la Bible dit gardez-vous votre corps, votre esprit, votre âme irréprochable jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour toute votre gloire que notre être et tout ce que tu as fait pendant ces quelques instants. Que toute la gloire que nous sommes rendue et que les saints puissent se disent Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Là, nous allons passer à la prédication. Je vais inviter notre pasteur. Il va nous présenter les prédicateurs de ce matin. Nous arrivons au moment où nous allons manger. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, bon appétit. Amen. Je ne sais pas si tu aimes les steaks, tu aimes le frit, tu aimes quoi, c'est la nourriture spirituelle que nous allons manger. Si c'est du riz ou du congo, tout est là. Amen. En fait, le prédicateur de ce matin, c'est un enfant de la maison. Amen. Puisqu'elle aime le pondou et la chante. C'est le pondou spirituel. En fait, c'est parce que du vrai pondou verra. Mais ça, c'est spirituel. Il m'a fait pour ceux qui aiment, il m'a fait tout est là dans le Seigneur. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. À chaque fois que ces couples passent dans la maison, dans leur maison, nous leur offrons l'honneur de laisser la place. Pour bénir ce peuple de Dieu. Amen. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon fils, Théo Gracias. Il est prophète de Dieu, qui est accompagné de son épouse Esther, ma fille. Quand je dis que c'est le fils, c'est vraiment le fils. C'est moi qui ai béni leur mariage et nous avons parrainé le mariage au samedi. Je suis en retard. Je sais qu'ils ont ménagé. Je suis devenu papy. Mais je n'ai pas encore eu le temps de voir le fils.
Pardon. Oui. Je profite maintenant à la même occasion. Si je l'ai dit, où le... C'est pas Seigneur Dieu Tout-Puissant, reçois la gloire. Je bénis au Père de gloire cet enfant. Ce que tu as confié à cette famille, Seigneur de gloire. Alléluia. Parce qu'ils ont juste la garde, mais cet enfant vient de toi. Alors garde et veille sur cet enfant, Seigneur. En dépit d'autres bénédictions qu'il allait recevoir, j'accorde, Seigneur de gloire, Seigneur venant de toi, de ma part, que cet enfant soit comblé de joie, de bénédiction, de prospérité. Que sa vie, ô mon Dieu, mon roi, prenne notre horizon à partir de ces instants, Seigneur de gloire, et que toute la grâce qu'il en a besoin puisse l'accompagner maintenant. Qu'il soit béni et longue vie et bonne santé à cet enfant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout à l'instant, nous allons accueillir le prédicateur du jour. Pour accomplir un certain nombre de choses qui sont capitales, entre autres dans la vision que Dieu nous a donnée et aussi de pouvoir savoir que dans cette vision-là, nous avons opté pour pouvoir pénétrer le monde économique par la création des entreprises et de là aussi la création de l'emploi. Et donc ça va bon train, donc ça est en train de se concrétiser. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et c'est pour cela que nous voulons toujours que nous nous présentons devant vous avec quelque chose du concret qui peut donner à chacun d'entre nous encore de l'espoir. Amen. Amen. Parce que après avoir prié, hurlé, chanté comme nous pouvons le faire, il y a un monde à coloniser. Amen. J'ai bien dit coloniser. Amen. J'ai bien dit coloniser. Amen. Un royaume colonise. Un pays ne colonise pas, Amen. Mais un royaume colonise. Amen. Mais nous allons coloniser la terre par l'amour. Amen. Par les valeurs qui se perdent sur la terre, on doit coloniser la terre par les valeurs de Dieu. On comprend ? Est-ce que vous pouvez saisir cela ? Aujourd'hui, le plus gros du problème dans notre société d'aujourd'hui, c'est les valeurs. Aujourd'hui, c'est les valeurs le gros problème. Aujourd'hui, on peut louer, adorer Dieu comme on veut. Mais cependant, on peut garder des mauvaises habitudes. Avoir un mauvais cœur. Avoir un cœur qui pense et qui médite du mal pour son père. Bien aimé, ça, ce n'est jamais Jésus-Christ. Le vrai Christ, quand il entre dans la vie de quelqu'un. Le vrai, je ne parle pas du nom, mais je parle de la personne. Le vrai, quand il entre dans une vie, c'est un changement radical qui se fait. C'est un changement radical. Oh, dis avec moi ce matin. Je veux décoller. Alléluia. Amen. Tu viens aussi avec nombreux de mes enfants qui sont là. C'est pour elle qui vient de très loin. Elle vient de Clermont-Ferrand, quelque part là, en France. C'est quelque part là. C'est quelque part. Elle est venue de là. Et les autres qui sont sur Paris. Et donc, vous pouvez lever vos mains aussi.
Donc c'est toujours un gros plaisir. Amen. Et aussi, ceux qui suivent, parce que le culte est en live dans la salle là-bas. Et je dis qu'il n'y aura pas culte là-bas et culte ici, non. On va garder la même pensée et nous tous on va méditer autour de ça. Parce que nous avons pour habitude de ne pas forcément prêcher. J'aime enseigner, mais en prêchant. C'est-à-dire ceci, qu'après avoir parlé de ça, nous devons voir les fondements qui ont été insérés dans les vies et noter l'avancement. Amen. On ne balance pas la parole, mais on bâtit. C'est pour cela qu'il faut arrêter avec la race des prédicateurs, mais il faut maintenant émerger la race des bâtisseurs. Amen. Et c'est une race consciente. C'est une race consciente. Des personnes conscientes qui, dans la vie de quelqu'un, il faut bâtir la vie plutôt que prêcher et après la personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle en fait. Amen. 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 Voilà pourquoi est-ce que j'ai souvent fui les foules. Ouais, avec tous les amis que j'ai là au Congo qui m'invitent, c'est des personnes qui rendent les 5000 personnes derrière eux et j'ai fui tout ça là. Pourquoi? Parce que je dois d'abord être sûr que ce que je prêche, ça marche chez moi. Amen. Je dois être sûr que la parole que je donne dans ma maison, ça marche. Dans mes enfants, ça marche. Et ça va me donner une légitimité dans les nations sans rougir. Amen. Je ne peux pas prêcher dans les nations alors qu'à la maison, j'ai un gros désordre. Amen. Donc c'est la sagesse de Dieu et c'est le prophétique de cette époque. Le prophétique de cette époque, ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir prophétiser. Mais le prophétique de cette époque, ça a à voir avec la capacité de lire la saison spirituelle et d'aligner sa vie selon la saison de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes en train de me saisir? Ça n'a plus rien à voir. J'ai failli commencer une école prophétique à Paris, mais j'avais arrêté. Mais je pense que je vais quand même le faire. Parce qu'on lit ce qu'on lit comme lacune. On se rend compte que les personnes, même s'ils commencent bien, ils finiront comme ceux qu'on critique. On est en train de comprendre ça. Parce que le chemin qu'ils prennent et la manière d'opérer est semblable. Et dans le méga, donc c'est-à-dire dans la chose énorme, ça va donner quelque chose de désastreux. Amen. On a besoin de redonner aux gens le goût de marcher ça en Jésus-Christ. Amen. On ne doit plus, les gens ne doivent plus se dire qu'on peut venir comme on veut en Jésus-Christ. Et on peut vivre comme on veut en Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ est venu régler deux choses avant de commencer le message. Il a réglé deux choses. Le péché et la mort. C'est-à-dire que quand ces deux choses sont vivantes en toi, c'est-à-dire que tu ne les connais pas encore. C'est simple. C'est simple. Quand ces deux réalités sont présentes, Christ n'est pas encore passé. Mais il doit régler le problème de quoi? Péché et puis merci. C'est pour cela qu'hier, dans l'antenne Bruxelles, Paris plutôt, je leur ai dit ceci. Je suis déjà dans l'éternité, quoi que vous me voyez dans le temps. Parce qu'il est ressuscité avec Christ, je suis hors dans le temps. Et par son autorité, je pénètre dans le temps pour féconder cette génération avec la sémence divine afin de porter les fruits du royaume des cieux. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Est-ce que vous connaissez ce qu'on dit? Oui, je veux le voir. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple à son aide pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois.
De moi, je le vois. L'agneau, on ne le voit jamais sans qu'il ne laisse des traces dans la vie de quelqu'un. Je l'ai vu, je l'ai vu. J'ai vu l'agneau. Alléluia. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Oh,
Désormais, à partir de cette parole, si tu ne changes pas, on t'attrapera dans cette église. Amen. Je te le dis. Amen. Amen. Je vois. Mais les autres fois qu'on viendra, on te laisse un sursis. Mais après, on viendra te chercher à ta place. Parce que le temps est arrivé pour que la crainte de Dieu soit réinstallée dans l'église de Dieu. Amen. 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 Je viendrai te chercher. Ça, je te promets. Je viendrai te chercher si tu ne changes pas. Dis au ce soir, ce soir à la réunion, dis et baby. Donc là-bas, chez eux, là, donc ici, il doit pas avoir de projet. On n'a pas envie d'embêter la vie des serviteurs de Dieu. Je suis en train de voir beaucoup de choses et on aura le temps d'en parler avec la suite de temps. Mais n'essayez plus. Donc, on ne touche plus au servir. Donc, le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui servent Dieu, n'essayez plus de toucher. À partir de ma parole maintenant, Dieu va mettre des anges beaucoup plus puissants autour. C'est-à-dire que c'est des anges de justice. Ils viendront à l'instant arrêter et démontrer la puissance de Dieu en vous humiliant publiquement. J'ai dit c'est publiquement. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? C'est parce qu'on rigole qu'on ne vous voit pas. D'accord? Donc, soyez tranquille. Soyez tranquille, d'accord? Soyez tranquille. Donc, si là-bas en Belgique, j'ai été gentil, mais l'année passée, fin de l'année, j'ai commencé à montrer un peu le griffe du prophète. Parce que là, j'étais un peu trop doctoral, trop pastoral. Mais j'ai essayé de jouer. Maintenant, la prophétique, on a commencé à attraper comme ça. On a attrapé. Amen. Parce que c'est le temps de Dieu. On n'a jamais eu peur. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que vous entendiez ça. Attends, on vous a jamais demandé quoi que ce soit. On vit la vie de Dieu, mais venez de notre camp. Hein, tu sors la nuit, tu ne dors pas. La couette, elle est bonne. Amen. Il y a une belle couette qui t'attend au sol à la tête. S'il faut avoir des problèmes au Manabutu, il faut aller dans des airs, dans des cimetières, c'est un problème. C'est un problème. Là, là, là. Dors à toi, dors. Là, là, non. Amen. Là, là, non. Il y a des fois quand il t'envoie, il dit non, vous faites non, là. Donc tu dis cette fois-là, si tu ne fais pas, on va te tuer. Tu dis, tu es moi. Mais au moins, viens mourir ici. Tu dis, j'étais comme ça, je vais mourir dans la maison de Dieu. On va voir s'ils vont te tuer. Ça court là. Amen. Donc c'est clair, hein? Ça a été clair, clairement dit. C'est-à-dire que là, tu es en train de monter dans une grande période surnaturelle. Je vais simplement te serrer la main et la chose va être faite. Pasteur. Donc c'est la grande période surnaturelle dans ta vie. Tu vas opérer dans ce que tu vois dans tes rêves. Tu comprends? Là, on s'est compris, hein? Voilà. Dans tes rêves, tu vois des choses. Mais il n'y a pas encore la corrélation forte entre ce qui est vu dans les rêves et ce qui est manifesté. Maintenant, c'est la clé de pouvoir opérer dans le surnaturel. Amen. Le surnaturel et le naturel des enfants de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est le naturel des enfants de Dieu. Tu vas opérer puissamment là-dedans. Donc il faut que tu te concentres. Ces derniers temps, de toute façon, tu sens que le Saint-Esprit te pousse
à l'intercession profondément et des pousses, il y a des visitations, des songes qui viennent encore beaucoup. Et tout cela, au moment que toi tu es sur les ressorts, on le sait. On le sait avec Dieu. Et puis, le Seigneur va fortement te visiter. Il va te donner vraiment la carrure et le cœur prophétique totalement. C'est-à-dire que dans le cœur prophétique, il y a les deux. Il y a la compréhension parce qu'il faut dire à quelqu'un qu'il faut changer, mais il y a la radicalité parce qu'il faut changer. Amen. Amen. Donnez-moi un peu d'éternel, s'il vous plaît. Donnez-moi un peu d'éternel, merci. Donc, il est dit ça, il est passé, il se remercie. Aujourd'hui, on va parler de quoi? La grâce apostolique et prophétique. C'est les deux choses dont on va parler ce midi, matin. Vous avez peur? La grâce apostolique et prophétique. Pourquoi est-ce que ce sac dans lequel le Saint-Esprit m'a conduit pour parler? Parce que c'est dans cette grâce-là que l'Église rentre. Amen. L'Église, dans le monde entier, retourne dans ces deux grâces-là majeures. Dis-moi amen. On va expliquer ces choses, ce n'est pas grave. Mais retenez simplement le mouvement que je vous dis dans l'international. Hein? Partout sur la terre, l'Église rentre là. Amen. Et en tant que prophète, je dois vous en parler. Je dois vous dire où est-ce que l'Église part. Amen. Sinon, on risque d'improviser dans les choses de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu est là. On n'improvise pas dans les choses de Dieu. On n'improvise pas. On sait correctement où on va, ou soit qu'on ne sait pas et on apprend. L'Église d'aujourd'hui ne peut pas inquiéter le diable. Je parle au niveau mondial. Amen. L'Église d'aujourd'hui ne peut pas inquiéter le diable. Vous voyez l'Église d'aujourd'hui là? Le diable a eu le temps d'apprendre, d'avoir des habitudes pour s'accommoder. Je vous dis la vérité. On va dire la maquette et le modèle de l'Église d'aujourd'hui n'inquiète pas le diable. Je vous dis la vérité. Cette Église-là, non. Parce que c'est une Église qui a été infectée de la culture. C'est une église qui a été infectée de la mentalité mondaine. C'est une église qui a été infectée de toutes les choses que Babylone, c'est-à-dire le monde et le système de vente, a mis en place pour pouvoir rendre l'église inefficace et ainsi amoindrir son autorité. Parce que dès que l'église a de la poussière, c'est-à-dire de la chair, à l'intérieur, l'église n'est plus efficace. Dis-moi amen. On est en train de comprendre ça. Et l'église d'aujourd'hui ne peut pas inquiéter le diable. On doit pouvoir voir le modèle de l'église qui peut inquiéter le diable. Amen. Nous sommes ensemble. On doit le connaître. On a dit Dieu parle-nous de l'église qui peut inquiéter le diable. Parce qu'il a dit le pape de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Mais ce qu'on est en train de lire, c'est que les hommes de Dieu sont frappés à plein fouet. C'est qu'on est en train de lire les choses où les papes de ces jours de mort sont en train de parler. On doit lire quelque part. C'est-à-dire que le modèle n'est pas fiable pour tenir les rangs les portes de chez nous. Amen. C'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, ce que je vais vous dire là, c'est une prophétie lue et expliquée. On a dit à Habacuc, écris-le, grave-le, lis-le et enseigne-le. Une prophétie qu'on ne sait pas enseigner, on doit l'arrêter. Oh, j'ai juste vu les champagnes, je ne sais pas. Non, rentre sur le Dieu qui t'a montré les champagnes pour qu'il te donne la signification. Je ne veux pas des visions à moitié. Donne-moi la signification ou soit ne viens pas me voir. Mais c'est simple. Parce que c'est que tu me donnes la champagne là. Moi, je vais penser tout sur ce que Dieu veut me dire. La précision et l'exactitude. Amen. Amen. Voilà. On va tailler ces dons-là. Je vois. Tu vois quoi? On va tailler ça. Attention, ici, il ne s'agit pas des hommes de Dieu, et encore moins des fidèles, mais plutôt du système dans lequel le diable a réussi à piéger l'Église, pour qu'elle ne soit plus le conseil dans lequel Dieu exprime ses intentions. Quelqu'un peut me saisir? Quelqu'un peut me saisir? Est-ce que c'est réglé ce jour-là? C'est quoi? C'est quoi ça?
Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, tiens là. Vous les manabines, vous les mbam. Fatiguez-vous. Faites vos grimaces là, on vous a déjà attrapé. Quand même déjà. Ok? Donc, si je peux avoir le truc, vous voyez? Hein? Vous voyez? On a rien à mettre. Hein? Après ça, on mange calmement le pain, tranquillement. On boit calmement. Et puis après, la vie continue calmement. Calmement, vous savez. Les pubs qui les vendent. J'ai dit ceci. Attention, ici, il ne s'agit pas des hommes de Dieu et encore moins des fidèles, mais plutôt du système dans lequel le diable a réussi à piéger l'Église pour qu'elle ne soit plus le conseil dans lequel le Dieu exprime ses intentions. L'Église ici, quand vous venez, on ne va pas à l'Église. On est l'Église qui se rassemble sur la montagne. Je n'ai pas saisi. On ne va pas à l'Église. On est l'Église qui va sur la montagne sainte. Quand on s'est réunis, on accomplit ce que David disait. Oh, heureux pour les frères qui sont ensemble. C'est là que coule l'huile. C'est-à-dire que les familles de la terre que nous sommes séparément, dans nos maisons qui sont églises, maisons, on sort de là pour se rassembler avec nos frères sur la montagne pour pouvoir glorifier Dieu ensemble. Voilà le sens. On est l'église de Dieu et on vient manifester le sanctuaire. Et l'endroit où Dieu vient libérer ses intentions. En gros, c'est quoi? C'est qu'on est convoqué par le roi de roi parce que le roi de roi a un projet sur cette terre. Et la prédication, l'enseignement, c'est les intentions que Dieu veut voir sur cette terre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est-à-dire que si tu sors ici en disant que ça a été puissant et fort, sans expliquer ce que tu as compris, tu ne sauras pas comment influencer les membres dehors. Amen. On doit seulement arrêter avec l'agitation et l'excitation, mais on doit être fondé. Dis-moi amen. 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 On doit être bâti. Yes, yes. Amen. Amen. Voilà pourquoi derrière le manteau prophétique apostolique, il y a le manteau de doctoral. Voilà pourquoi on doit d'abord enseigner le peuple pour qu'ils comprennent ce qu'on est en train de dire. Sinon, on sera là en train de balancer le concept et faire les scandales de YouTube là, avec l'apôtre YouTube que les jeunes aiment suivre et les prophètes Facebook. Attention, sortons de là, s'il vous plaît, sortons de là. Vous n'êtes pas comme les autres. Bien aimé, il faut que tu aies du poids et du poids dans ta vie. Sache que tu es différent. Il faut que tu aies du poids. Hein? Partout, tout le monde est en train de s'inquiéter, tu t'inquiètes aussi avec eux. Et tout le monde est en train de râler, tu râles aussi là. On dirait que tu n'es pas roi ou reine. Tu ne connais même pas ton rang. Il a dit, ta vie est cachée à la droite de Christ. C'est-à-dire que ton rang est à partir de là maintenant. Sans le connaître, tu agis comme tout. Seigneur, ouvre-nous les yeux et les cœurs. Pour les citoyens du royaume, afin qu'ils réalisent avec exactitude le plan concédé par Dieu. Concédé, c'est-à-dire donné par Dieu. Merci. Et pour nous, ceci. Donc, c'est d'être déformé, je parle de l'Église, c'est d'être déformé par l'ennemi et par la culture des hommes, ne permet pas à devenir celle que Dieu attend, tout en passant qu'elle y est déjà parvenue. L'Église pense qu'elle est déjà arrivée, alors qu'elle n'est même pas parvenue au modèle. Ok? Vous savez la différence entre la prétendance, donc, l'orgueil et la prétention d'un côté et l'assurance d'un côté. L'orgueil dit ce qu'on n'est pas, l'assurance dit ce qu'on est. Amen. Maintenant la prétention de l'Église, c'est de dire ce qu'elle n'est pas encore devenue. Jésus la tête et non la queue, mais au quotidien la queue. On voit un peu à ce moment de Jésus dans tes études, tu n'exprimes le pas la supériorité de Daniel. Oh my God. Hey, je suis né pour faire la différence. Je suis né pour faire la différence. Je ne sais pas pour toi, mais je suis né pour faire la différence. Amen. Dis-moi amen. Amen. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si tu vas m'aimer jusqu'à la fin. Continuons. Est-ce qu'on doit faire le travail de Dieu? Amen. Amen. Voilà. Après les sympathies, on verra après ça.
On peut toujours arranger ton cœur et dire quand j'avais dit ça, je ne te visais pas. On peut toujours dire ça, amen. Amen. Oh mon Dieu. Une église qui ne bâtit plus les hommes, mais qui les soulage, simplement. Aujourd'hui, on n'est plus en face d'une église qui bâtit des hommes compétents pour relever les défis du monde, mais on est en face d'une église qui soulage. Comme quand on visite le psychologue, on s'allonge, on raconte tout ce qu'on a eu dans la journée, et le psychologue dit, aujourd'hui, va quand même au cinéma, fais ceci, et ça te soulage. Mais en attendant la mort, tu supportes la vie. Ce n'est pas ça l'héritage. Quelqu'un veut me saisir? Est-ce qu'on me saisit? Ah oui, les gens, ces gens-là, ils sont déjà sortis. N'est-ce pas? Ils sont déjà sortis, les gens qui vont tout dire. Parce qu'on doit revenir, revenir dans là où le Seigneur veut nous voir. Veut nous voir. D'ailleurs, dans la Bible, les prophètes n'ont jamais vraiment été aimés. Vous savez pourquoi? Lundi, tu peux l'aimer parce qu'il te dit quelque chose qui t'arrange. Mardi, il vient et te réprimande. Tu dis à quoi? Il dit, je suis prophète. Je parle de la part de Dieu et pas de toi. Amen. Donc, pour nous aider ici, il faut aller au-delà de ce qu'on enseigne. Parce qu'on est quand même aussi hein, des êtres humains, aimez-nous. Parce que nous, on est obligé de dire le royaume. Amen. Maintenant, on doit récupérer l'autorité de l'Église. J'ai dit, l'enseignement, le thème, c'est quoi? La grâce apostolique est. Mais maintenant, on doit récupérer quoi? L'autorité de l'Église. L'autorité qui fait que le diable recule. Aujourd'hui, ce n'est pas, tu ne fais pas reculer le diable. Aujourd'hui, tu fais reculer les plus petits démons du monde des ténèbres. Parce que le plus haut démon fonctionne avec les fonctionnaires, fonctionne avec tous ces gens-là. Mais quand on dit faire reculer le diable, ça veut dire qu'on arrive dans une ville, on sent que la cité, la ville a bougé parce qu'il y a des gens qui savent. On ira vers le roi. Est-ce que tu penses que tu iras vers le roi, tu verras? Oh mon roi, excusez-moi. Oh mon roi, j'ai vu. J'ai vu que quelque chose se passe dans ta vie, roi. Non, tu arrives, cravate, costume, tout ce que tu veux. Mais tu dis, roi, réponds-toi. Dieu t'a donné 3 semaines. Tu ne fais pas, il y a telle chose qui se... Sans trembler, mais sans que... Tu as déjà bloqué le démon de porte, son démon de chambre. Personne ne vient. Dis-moi, amen. On doit récupérer ça. Dis-moi, amen. Qui a envie de récupérer ça? On doit récupérer cette autorité-là. Amen. Prenons Apocalypse 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, s'il vous plaît. We'll do it quickly. Amen. Je vais le lire pour gagner du temps. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail. Écoutez, à partir du verset, Dieu prêtez l'oreille. Je connais tes œuvres, ton travail, ta patience. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point, tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a un problème ici. Il y a un problème. On nous a enseigné souvent que le premier amour, c'est revenir à l'église, être zélé comme on a dit. Lis-moi un peu ici. On parle de persévérance, on parle. Attends, je vais relire, peut-être on n'a pas lu la même chose. On va lire des choses ici qui traduit ce que nous on pensait du premier amour. Amen. Et puis aujourd'hui on va découvrir ensemble ce que c'est vraiment le premier amour. Amen. Ici on dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que... Attends, tes œuvres, ton travail, ta persévérance, c'est-à-dire que tu es quand même là, tu n'as pas abandonné. Tu es quand même là à l'église. Tu es pourtant là. On voit même ta persévérance. On voit malgré la souffrance, on a dit, tu continues. Tu ne lâches pas. Mais ça, pour Dieu, ça ne suffit pas. Amen. Pour Dieu, ça ne suffit pas. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Mais
chemin, je vais aller droit dans la révélation. Le premier amour, c'est la chose que Adam avait perdue dans les jardins quand il a chuté. Il a perdu la position d'autorité qui lui permet de gouverner la terre. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Est-ce qu'on est en train de saisir? Ici, ça n'a rien à voir avec le fait de servir, mettre l'offrande, mettre sa dîme, venir toujours à l'église. Non, c'est la capacité de gouverner. Mais garde, c'est ça qu'on appelle le pouvoir apostolique. Oh my God. Yes. Est-ce qu'on ensemble? Yes. Ici, le premier amour dont on parle ici, il dit, réponds-toi, sinon je viendrai prendre ton champ de Dieu et sa place. Les champs de Dieu, là, ça représente le pouvoir apostolique. C'est-à-dire, l'Église a commencé avec le pouvoir apostolique et l'Église va s'achever avec le pouvoir apostolique ou bien la grâce apostolique. C'est-à-dire que maintenant, la grâce qui a commencé, c'est la grâce apostolique, ce n'est pas l'apôtre et puis après les prophètes et puis après, bon, après l'évangéliste. Ça n'a rien à voir. Les cinq ministères, c'est la même chose. Sauf que les voltages spirituels donnés à l'apostolique et au prophétique, c'est les voltages de faire la différence en lieu hostile pour déblayer le chemin afin que la nation. C'est les grâces en grec qu'on appelle proton. Proton, ça veut dire que la charge électrique qui fait face le premier à la difficulté. On est ensemble. Yes. Premier amour. On va parler de ça. On dit que l'Église, tu as perdu ton pouvoir de gouverner. Parce que tu n'as plus traqué la grâce apostolique et la grâce prophétique. Amen. Amen. On va découvrir c'est quoi la grâce apostolique et prophétique. Là, je vous donne hein, des choses pour qu'on continue d'avancer. Bien-aimé, pense avec moi que on doit être d'accord sur ce point-là. Sans la révélation, sans le Saint-Esprit, l'Église va aller nulle part. On a besoin des gens qui savent, non pas lire les Écritures, mais qui savent lire la pensée de Dieu, mais les retrouver dans les Écritures pour expliquer les peuples de Dieu, pour qu'on puisse ne pas tomber dans les trous. Amen. Amen. Si on ne retrouve pas cette grâce-là apostolique, l'Église ne peut pas finir, parce que c'est la grâce apostolique qui est une grâce architecturale. On le verra. Amen. Comme nous l'avons bien compris, le premier amour, c'est tout ce que, sauf tout ce qu'on a entendu jusque-là. Oh, bien-aimé, reviens dans l'église. Fais ceci. Non. Le premier amour, c'est retrouve ton autorité apostolique. Autrement dit, la position de l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que ce n'est que l'image et la ressemblance de Dieu qui peut dominer sur la terre. Dieu ne peut pas faire dominer quelqu'un sur quelque chose alors qu'il ne représente en rien de son image et sa ressemblance. Amen. Dieu veut que celui qui va dominer sur la création soit exactement comme lui pour l'idée et conduire les choses telles que lui le veut. Amen. Mais pour conduire les choses comme Dieu le veut, il faut retrouver l'image et la ressemblance. Dis avec moi, on va traquer Dieu. On va traquer Dieu. On va traquer Dieu. Le problème, ce n'est pas moi, je cherche la face de Dieu. Non, maintenant, c'est le mot, c'est j'y traque l'Éternel. Voyez la dimension de traquer, chercher. Cherchons pour soulever la chaise. Traquer, on monte dans la voiture, on met même les Jéhovah, on cherche Dieu. On le traque. Donc on est à la poursuite de toutes ces précisions. Hein? L'à peu près nous arrange plus. On ne veut plus de l'à peu près, la chose diluée, un peu dissous, un peu. Non, on est venu, 9% ne nous plaît plus. On veut la perfection de Jésus. Ah, Jésus ne peut pas faire une œuvre imparfaite. Amen. Lui, de sa nature, on ne fait que ce qui nous ressemble. Et lui, par sa nature, il est parfait. Et quand il m'a fait, il ne m'a jamais fait à peu près. Non. Non. Dis avec moi, non. Non. Je refuse ça. Je refuse ça. Je ne suis pas à peu près. Je ne suis pas à peu près. Merci. Amen. Amen. La première église a commencé par la grâce prophétique et apostolique. Donc, pour comprendre cela, prenons Acte 3 vite. Acte 3, prenons ça rapidement. Parce que là-bas, en Belgique,
Souvent, il s'assied comme ça, 2 heures ou 3 heures. Boum, 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 boum. Des machines à écouter. Ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent. D'ailleurs, il y a 2 fils qui ont commencé à s'élever là, mais qui opèrent déjà dans la communauté, l'autre dans la grâce évangélistique et l'autre dans la grâce pastorale. Il y a des gens qui se qualifient déjà dans des grâces, et bientôt on va les publier. Donc tout ça, c'est parce que pendant 3 ans, boum, 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 boum. Maintenant, quand ils opèrent, ils parlent, c'est des monstres. C'est des monstres. Et quand tu l'écoutes, tu dis, hé, Seigneur, mon Dieu. Mais je ne savais même pas parier sur sa vie. Mais Dieu, quand tu as parié, et ça donne quelqu'un efficace dans le royaume. Parce qu'on doit bâtir les hommes. Amen. Est-ce qu'on est arrivé? Ah, est-ce que quelqu'un peut lire rapidement? Rapidement. Directement. Entre toi, seulement toi, début 1. Ah, tu vas aller? Elle est déjà debout. Oui, vas-y, ma soeur. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Écoute, on a dit qui? Montez quoi? Ensemble. À l'heure de quoi? La prière. Ici, on va expliquer ça. L'apostolique et les prophétiques bougeaient ensemble dans une saison. Amen. Quelqu'un pour me saisir? Yes. Quelqu'un pour me saisir? Yes. Ah, t'as pas lu ça? Yes. T'as lu Pierre et Jean? Yes. Mais tu penses que Jésus voulait nous parler de Pierre? Oh. Est-ce que tu penses que Jésus voulait nous parler de Jean? Yes. Mais Pierre représente l'apostolique. Yes. Jean représente le prophétique. Yes. Il a dit les deux classes bougeaient ensemble dans une saison. Yes. Dans une saison. Dis avec moi la saison. La saison. Nous sommes dans la saison pour les deux classes. Amen. Tu es en train de me lire là, est-ce que donc on commence à comprendre? Bon, la suite, ma soeur. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait. On peut voir ça comme l'église. Un homme boiteux. Un homme qui, voilà, dès la naissance, on a critiqué, on l'a combattu, on a machin. Mais il n'a pas vraiment retrouvé le rôle que l'Éternel avait prévu pour. Mais regardez ce qui va se passer. La suite. On plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Amen. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui. Pierre de même que qui? Mais on dit d'abord qui? Pierre de même que Jean. Fixa qui? Cet homme-là. Regardez maintenant la suite. Et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement. Regarde qui? Nous. Donc il ne regarde pas moi. Il regarde le des grâces. On continue. Et puis? S'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre dit, je n'ai ni hâte ni attente. Mais pourquoi est-ce que Pierre commence à dire maintenant le jeu? Pourquoi est-ce que Pierre ouvre et commence à dire je? Parce qu'il y avait les nous. Mais là, il dit je. C'est-à-dire quoi? Au moment où je dois remettre quelqu'un debout, j'ai besoin de cette grâce apostolique pour que la charpente osseuse de la vie de cette personne quitte la mendicité, la bassesse, la courbature pour se redresser. C'est ça le rôle de la grâce apostolique dans l'Église. Ta vie à toi, si elle était courbée, je prophétise que la grâce apostolique lui donne un sens. Quelqu'un me saisit. Est-ce que quelqu'un me saisit là? Parce que le jeu là, c'est-à-dire quoi? Le prophétique a vu, le prophétique a discerné, le prophétique a compris que le problème ici, ce n'est pas le problème que cet homme, je dois lui donner l'argent. Il y a des fois, les gens viennent te poser des questions, mais tu résous mal le problème parce que le prophétique a fait des faux. Tu n'as pas lu le problème. Père, dans sa vie, il y a une infirmité spirituelle. Et tu n'as pas dégagé le pouvoir apostolique. Oh mon Dieu. La suite, maman. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi. Amen. Esaïe 60. Lève-toi, sois éclairé. Ici, on retrouve lève-toi et marche. C'est-à-dire que dans les deux positions, c'est
toute la position qui t'est donnée est affectionnée, le sable, la terre, la chair, la poussière. Mais lève-toi, prends une position qui te reconnaît à la verticalité, autrement dit à la pensée de Dieu. Lève. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Oh my God, dis-moi amen. Amen. On avance? Yes. Est-ce qu'on avance? Yes. Sommes-nous ensemble en train d'avancer? Yes. Ben oui, on est obligé. Si on sait, si on est une église, avançons alors. Yes. Allons en eau profonde. Donc ici, nous voyons combien le pouvoir apostolique n'a rien à voir avec le fait de bâtir des églises à gauche à droite. Mais c'est le fait de, quand on arrive, quand Paul a dit dans Galates, il a dit, oh, je souffre les douleurs d'enfantement afin de former Christ en vous. L'apostolique qui forme Christ en vous. Oh mon Dieu, c'est pas grave, on continue. Amen. L'autorité de l'église, retrouver le premier amour, dis-moi amen. Le premier amour, c'est la grâce apostolique dans l'église. Nous allons la comprendre ensemble. Grâce prophétique représente quoi? Donc ceux qui notent ou ceux qui enregistrent, écoutez-moi très bien. La grâce prophétique représente la capacité de saisir les intentions de Dieu. Autrement dit, modèle architectural. Le modèle que Dieu montre. Dis-moi amen. Ici, la grâce prophétique, c'est la capacité de saisir les intentions de Dieu, modèle architectural. Le premier homme était prophétique parce qu'il écoutait Dieu. Adam n'était pas prophète, mais il était prophétique. Parce que le prophétique, c'est simplement écouter Dieu. Saisir Dieu. Entendre Dieu. Comprendre ce que Dieu attend de toi. C'est ça, être prophétique. Ce n'est pas trembler. Aujourd'hui, l'onction peut venir sur moi. C'est une des choses qui peut venir. Hein? La guérison peut se manifester, c'est une des choses. Amen. Mais ce n'est pas ça. Amen. Pour qualifier un prophète, ce n'est pas ça. Amen. Pour qualifier un prophète, c'est une personne que tu, dans laquelle tu peux lire, qui a la capacité de comprendre les intentions de Dieu. Quand Dieu bouge au nord, un prophète peut te dire, on prend l'apostolique, on change de cap, on le met là-bas. Amen. C'est ça un prophète. Amen. Un prophète n'est pas la personne qui prophétise. Tu as les fausses idées reçues. Yes. Hein, qu'on a reçues dans le pentecôtisme, les machins, tous ces mouvements-là. On est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Jésus n'a jamais dit qu'on est pentecôtiste. Jésus a dit que c'est mon église. Amen. Amen. Ok, on ne refuse pas l'Esprit de Dieu, on ne refuse pas. Mais ce qu'on veut, on veut avoir une base. On veut savoir où on va. On veut savoir où on fonctionne. Amen. C'est-à-dire qu'ici, le prophétique, le prophète n'est pas celui qui vient pour dire « Oui, écoute, dans ta vie, il y a trois morts, machin. » Non, ça c'est des dons. Faites la différence entre les dons de l'esprit et le bagage de la machine prophétique, c'est-à-dire l'esprit du prophète. Parce que le prophète n'est pas prophète par le don, il est prophète par l'esprit qu'il est. Amen. Il est un esprit prophète. Amen. C'est-à-dire qu'il peut te serrer la main, tu peux t'asseoir à côté de lui, mais dans son environnement, beaucoup de choses sont prophétiques. Dans son environnement, tu viens, tu fais le mal, ça peut te fermer le ciel, parce qu'il est un organe prophétique. Quelqu'un peut le saisir. Ok? Quelqu'un peut le saisir? Il est l'appareil prophétique, la réquisition première de Yahweh. C'est-à-dire, dans les cinq dons du ministère, quatre peuvent être donnés aux hommes, mais les prophètes, Dieu les donne en les tenant. Parce qu'à ce moment-là, il doit claironner dedans. Non? Il prend le prophète, il fait et on l'entend. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent comme ça. Les gens me regardent comme ça. Bon. Alors, en eau profonde. Amen. Amen. Qui a compris la grâce prophétique? Yes. On a tous compris ça? Yes. Donc, ne titubons plus à gauche, à droite. Ayons d'abord cette définition, après réfléchissons autour de cette définition. Parce que si nous perdons le but, ça. On peut perdre de vue la chose qui peut me donner de discerner le vrai et le faux. Dis-moi amen. Amen. Le faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui te dit quelque chose qui ne s'est pas accompli. Parce que la prophétie peut ne pas s'accomplir parce qu'elle dépend de toi. Amen. 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 Elle dépend de toi, ce n'est pas de la magie. Amen. Dieu n'est pas magie, mais Dieu est principe. Il te donne la parole, il te met dans une position. Dis-moi amen. Amen. Amen.
c'est... Mais le faux prophète, ce n'est pas parce qu'on a entendu sur YouTube qu'on a dit qu'il était faux. Amen. Le faux prophète, c'est celui qui a le faux en lui. C'est-à-dire que son, on va dire, sa manifestation de Christ est biaisée, est faux. Le faux, ça n'a rien à voir avec « Oh, on a vu faire ceci ». Non, le faux, c'est l'esprit qui l'a mis. Amen. Alors, on va arrêter d'ouvrir vos bouches. Hein? Parce que vous risquez de toucher les huiles, et le ciel s'est ferme, et nous, on commence à souffrir dans les prières, à jeûner pour vous, alors que tu as touché une huile que tu ne devais pas toucher. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on saisit ça? Arrêtez de parler des hommes de Dieu. Abandonnez ce dossier-là. Ce n'est pas bon pour vous. Même David, alors qu'il avait raison, n'a jamais tué Saül. Amen. Quelqu'un peut le saisir? Même David, alors qu'il avait raison, n'a jamais tué Saül. Les histoires de moi, c'est entre les mains de celui qui les a. Amen. Amen. C'est celui qui les a. C'est celui qui a moi qui tue les moi. Laisse Dieu tuer les Saül. Toi, avance. Arrêtez de parler là où on ne veut pas parler. Arrêtez. Oui, moi j'ai remarqué aussi. Tu as remarqué ta vie spirituelle, elle est où? Ta vie spirituelle bâclée. Ta vie à toi, copain, copinage, machin. Et tu dis que tu as des noms de discernement dans cet état-là. Dans cet état-là, tu vois quoi? Oh, j'ai discerné. Non, c'est lui qui discerne, c'est un homme mature. Élève-toi spirituellement pour capter réellement les choses. Eh, mais pas seulement dans comment le monde va faux, yo, ça vrai. Sois d'abord sûr que ça vrai, yo. Vie là, yo, ton va faux. Ma yo, c'est comme on a ma faux. Mais il n'y a que les poissonnés qui sont les poissons. Amen. 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 Est-ce qu'on a géré ces géants-là dans le cœur? On a fini ces géants-là. Il est mort, hein? Hein? Revenons dans l'harmonie, arrêtons les global. Revenons dans l'harmonie, amen. Aimez vos conducteurs. Amen. Il faut avoir tous les modèles de conducteurs. Les gens qui sont durs, qui sont doux, c'est bon. Hein? Parce qu'il y a un psaume qui a dit, ton bâton est à honnête, mais rassure. Le bâton ne fait pas dur. Le bâton n'est pas dur. Rassure. Oh, je n'ai pas celui-là parce qu'il me dit des vérités. Aime-le. Dis-moi amen. Amen. Tâche-toi. Et tu arrives comme ça, on va. Oh, mais. Qu'est-ce qu'il pense Dieu veille? Non, il pense bien. Mais attends. Lui, il est là. Quand lui, il est là, elle est là, elle est là. Est-ce que vous voyez combien des gens, les hommes ont en tête, au monde spirituel, on les a déjà affichés? Accepter de servir Dieu, on s'affiche là-bas. Est-ce que tu sais que tu penses qu'on combat les mêmes démons? On en fait la même chose. Amen. Tu es avec encore un petit démon de tiroir, tu luttes avec. Et puis les gens qui renversent les principautés, et toi tu blâmes. Les dominations, ils s'établissent dans des endroits, dans la juridiction, le démon commence à faire ça, il passe. Toi tu blagues avec ça. Combien un peuple va t'avaler? Hein? Combien un peuple quand on regarde? Tu parles, on va te mettre à la place, tu ne verras même pas deux mois aussi là, tu vas maigrir. Jésus. Conduis le peuple. C'est-à-dire que les membres de peuple qui conduisent, toute leur famille, les démons de leur famille te carabinent. Pendant que les dieux disent, à cause de leur pasteur, attrapons leur pasteur. Et toi, au lieu de faire du doux à ton pasteur, non, tu fais. L'église d'aujourd'hui ne peut pas inquiéter le malade, comme je l'avais dit. Parce que je suis en train de comprendre maintenant que la grâce apostolique, c'est redéfinir à l'intérieur. Ce que j'étais en train de dire là, le mal à l'intérieur de l'homme, c'est ça la grâce apostolique. C'est de, on détecte la chose et on enlève l'infirmité. Dis-moi amen. Amen. Il y a quelqu'un qui était handicapé, mais qui ne l'est plus par la grâce de Dieu. Amen. Il était handicapé dans son cœur parce qu'il disait n'importe quoi. Il était handicapé dans son cœur parce qu'il s'occupait de ce qui n'était pas lui. Il était handicapé dans son cœur parce qu'il ne s'occupait pas de sa vie. Laissez-le, faites attention. Amen. Hein? Le diable n'a pas renoncé à la stratégie du jardin d'Éden. Vous comprenez ça? Bioka yoka. Prenez ton oreille là-bas. C'est pas que l'oreille c'est on va dire c'est le porte USB et tu vas mettre une clé USB mauvaise avec virus dedans. Et quand il y a virus dedans, ok? Eh, mes soeurs, écoutez-moi très bien. Tu veux bien te marier,
Apprends aussi à rester seul un peu. D'accord? Trop de meilleurs amis, trop de meilleurs problèmes. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ah ouais. Tu crois que c'est qui va te voler celui-là? Hein? Tellement qu'elle te connaît mieux que toi-même, elle te dévance, elle explique à l'autre qui tu es, et l'autre commence à dire non, j'ai doute quand même de toi, et le jour d'après quand tu as entendu le non, mais le oui a été ailleurs. Amen. Non, l'église, il y a des handicaps à l'intérieur. Des sœurs qui, à cause du mariage, ils veulent se mettre à prix de marché. Hein, à prix pas de marché. Un cas sans structure, sans philosophie, et il vient te prendre la vie. Et là-bas, il n'y a pas de problème. Tu as un problème. Parce qu'un homme a été placé le premier dans les jardins a raison. Dieu savait. Premier dans les jardins, ça veut dire le premier qui a compris, qui doit expliquer à l'autre. C'est déjà chaud que la femme soit plus spirituelle que l'homme. Ça crée souvent des disputes. Toi avec ton Dieu là. Toi avec ton Dieu là. Qui connaît celui-là? Qui connaît? Amen! Amen! Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et toi, monsieur, ça c'est rentré dans les spécificités et je reviens là. Toi, monsieur, ne pousse pas aussi une femme qui s'appelle Gucci. Amen. Elle, la femme qui a cléronné, elle. Voilà, que Dieu te bénisse. Dieu m'a parlé de toi depuis la Belgique. Que Dieu te bénisse là où tu es, que ta vie prospère, que Dieu voie ton cœur. Voyez ton dévouement avec ta folie en Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Ne mariez pas Gucci. Tu vas manger un condou dur. Bon, c'est pas grave. On avance. On avance. Amen. 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 Aujourd'hui, les gens, ils sont là. Ils ont peur de dire ces choses. Non, on doit les dire. On allait dire notre génération d'être sauvé. Je vois les frères, ils souffrent, ils transpirent. Ils disent, Seigneur, montre-moi c'est laquelle. Alors que si vous étiez tous toutes bien, il allait se dire, bon, à tout moment, nous, dans la mission, c'est mort, on y va. Non, mais tellement que les gens sont compliqués, Seigneur, montre-moi. Et les frères, alors qu'ils veulent simplement traquer. Écoute-moi très bien, ne veux pas parler de la part de Dieu quand tu veux épouser ta femme. Prends ton courage. J'ai un projet comme ça dans la vie. Amen. On va aller là. Là. Parce que si tu dis c'est Dieu qui m'a dit, un jour Dieu ne va pas te dire c'est la même chose. Il va dire Dieu m'a dit de quitter. Amen. Prends ton courage à demain, que Dieu vous trouve. Vous serez au lit, ma femme. Et là, amen. Pasteur. Pasteur. Ah, pas cette voilà. Donc, cherche maintenant. Est-ce que tu vois que ta vie est compatible? Et puis, comme elle attendait ça, elle fera juste semblant de réfléchir. Attends, je donnerai la réponse. Bon, moi, tu sais que, et puis quand vous marchez ensemble, hein, de l'autre côté, il y a la sœur qui représente l'image de l'église, le frère qui est comme le Christ, et Christ et l'église de Marc. C'est moi et mon épouse. Amen. Moi et mon épouse, on ne se complique pas la tâche. Yes. On ne se complique pas la tâche. Elle comprend dans mon regard tous les ça ne va pas. Tu vois, tous les ça ne va pas, c'est inaudible chez nous. Donc, je vois, j'en regarde comme ça, je dis, et il y a celui qui. Là, j'arrange les choses. Et toi, c'est moi qui me fâche un peu, je fais un regard. Elle anticipe. Parce qu'il faut garder les shalom. Yes. Hein, je ne peux pas élever mes enfants au milieu de. Ah, non, moi, vous êtes quoi devant ma fille? Attends, t'es pas bien? Osa bien t'es? Osa Christ t'es? Osa Jésus Christ t'es? Tu ne peux pas parler comme ça devant les enfants? Non? Non, non, il faut respecter ton église. À cette église, à cette church. Est-ce qu'il y a ça la gloire?
Bon, je sais que maman, elle est bien tombée. Mais... je t'accueille. Amen. Amen. Ah, ça, c'est pas pour rien que je parle comme ça. Il y a quelque chose qui a été fait. Qui parlait des relations, des trucs, et qui va parler de ça, des fiançailles, et des machins. C'est pour ça que Dieu est en train d'appuyer sur les choses. Hein. Ah, vous aussi. Amen. Dis-moi, amen. On avance. On est en train de définir, n'est-ce pas? Amen. La grâce prophétique. Et nous allons maintenant définir la grâce apostolique. Ok? La définition de la grâce apostolique. C'est la sagesse qui permet la manifestation de ce qui a été saisi dans le prophétique. Est-ce qu'on comprend? L'apostolique, c'est la sagesse qui permet la manifestation ou l'accomplissement ou la fabrication matérielle, visible, palpable de ce qui a été saisi dans le prophétique sur terre d'une manière concrète. Amen. L'apostolique doit manifester le concret. Amen. Dis-moi amen. Amen. Et je vais faire une parenthèse. Beaucoup de fois, nous sommes en train de dire, oh, la présence de Dieu, elle était forte, elle est la gloire de Dieu. C'est vrai que dans le mot grec ou hébreu, gloire a beaucoup de définitions. On peut se permettre de dire la gloire de Dieu, mais ce n'est pas vraiment ça. Parce que, en fait, dans la construction du temple, quand la Shekinah s'est manifestée, personne n'a pu résister. C'est-à-dire que quand Dieu vient dans sa gloire, il peut tuer. Amen. Sa gloire peut tuer parce que sa gloire est incompatible avec le péché. Amen. L'onction peut briser les jougs. Ça veut dire que l'onction peut côtoyer le péché pour le briser. C'est chaud. Mais la gloire, non. La gloire peut te tuer. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? On saisit ça? La gloire peut te tuer. Voilà pourquoi est-ce que je suis en train de faire la précision en disant, dans la sagesse architecturale, la sagesse apostolique, c'est une sagesse qui te permet à toi d'avoir l'écoulement de toute la sagesse divine concernant ta vie. Dis-moi amen. C'est-à-dire la sagesse apostolique sur ta vie qui donne l'inspiration et tout l'écoulement de la sagesse afin de savoir comment bâtir ta vie, afin d'éviter les erreurs. C'est une sagesse qui tue l'esprit de l'erreur. La sagesse apostolique est une sagesse qui tue l'esprit de l'erreur. Dis-moi amen. C'est une sagesse qui vise l'exactitude et la précision. Parce que c'est une sagesse de la construction. C'est comme si tu es en train de construire une maison et tu acceptes que un mur, on va dire trois trucs dans le mur là-bas manquent. Là, tu n'es pas apostolique. Tu es dans la beuverie. Tu peux avoir le chauffage dans cette maison-là, mais la maison aura toujours un vent froid qui va rentrer. C'est pour cela que tu vas dire, oui, j'ai prié, mais ma vie ne va pas toujours. Parce qu'il manque la grâce apostolique qui peut fermer les accès au diable par la sagesse. Non pas par la prière de combat spirituel, mais par la sagesse de colmater les trous dans lesquels le diable peut glisser. Dis-moi amen. Si tu as un problème de vie, la grâce apostolique peut te conduire à aller loin de vie. Dis-moi amen. Mais tu ne viens pas me dire trois fois d'affilée, j'ai pas résisté, j'ai été chez elle. Bon, le temps que tu as la réflexion, la tête marche. La tête marche. Quand tu prends ton train, la tête marche. Et quand tu rentres chez elle, et c'est là que tu veux résister, tu n'es pas bien. Amen. La sagesse apostolique te donne le réflexe qu'il faut, quand il faut, où il faut. Parce que la sagesse apostolique, ce n'est pas la sagesse de pouvoir dire je suis devenu apôtre. Non, c'est que les cinq ministères, c'est-à-dire l'apostolique, le prophétique, le doctoral, le pastoral, l'évangélistique, ne sont pas là pour pouvoir aller crier dans les rues. Non, ce n'est pas nous qui accomplissons l'Église sur la terre, mais c'est les saints. Mais les saints sont équipés par les cinq grâces données par Christ à l'Église. Dès que les cinq grâces viennent sur l'Église, vous êtes équipés des cinq grâces pour les manifester au quotidien. Amen. 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 Est-ce qu'on est en train de comprendre toutes ces choses? Yes. Est-ce qu'on les comprend? Yes. Là, dis avec moi, Seigneur, je veux cette grâce apostolique. Yes. Dis avec moi, je veux la grâce apostolique. Je veux la grâce. Parce que la grâce apostolique, comme Paul a dit, quand il a dit ceci, j'ai bâti comme un architecte. Amen. Comment? Amen. Sage. Mais regarde, à qui Dieu a dit à David de laisser la construction du temple?
Mais qu'est-ce que Dieu lui a donné comme don? La sagesse. Voilà pourquoi on dit la femme sage bâtit sa maison. Et la sorcière la renverse de ses propres. Et laissez-moi vous dire que ce n'est jamais deux femmes différentes. C'est la même femme, mais à une période, elle a perdu la tête. Dis-moi amen. Parce qu'on ne peut que renverser ce qu'on a bâti. Mais il faut commencer d'abord par bâtir ou renverser. Amen. Non, c'est-à-dire, c'est là, il y a un moment où tu peux être femme sage, mais si tu pètes les plombs, tu deviens insensé. Amen. 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 Non, c'est-à-dire, un conseil aux parents, même, ok? N'engueulez pas vos enfants trop durement avec des paroles dures. Comprenez ça? Surtout en montrant de la main droite du doigt. Parce que tout notre corps, là, lorsque le Saint-Esprit nous habite, a une signification. La main droite peut devenir la droite de l'Éternel. Le doigt là peut devenir le doigt qui inscrit les choses sur la table. Mais qu'est-ce que tu inscris dans la table de ton cœur? De son cœur à l'enfant. Alors, quelqu'un peut me saisir. Là, je vous révèle les choses des prophètes, la chose prophétique qui se passe dans le monde spirituel. Tu peux montrer l'enfant comme ça du doigt et l'enfant tombe malade. Qui a déjà vu ça? Et dans lequel l'enfant dit, yo, le caractère, et puis fièvre. La fièvre commence à venir, machin. Non, parce que tu es dans le monde spirituel comme une autorité. Tu vas montrer la main droite et le doigt. Dis-moi amen. 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 Je ne te dis pas aussi de devenir démocratique. Yes. Amen. Amen. Je ne te dis pas aussi de devenir, tu vois, Julien, si je fais ça, je ne fais pas, machin, non. Il faut être strict, mais apostolique. C'est-à-dire que ne sois pas strict à ta manière, mais à la manière de Dieu. Amen. Papa a dit tout à l'heure sur Zoé, il a dit ceci. Il a dit, nous ne sommes que des gestionnaires. Et c'est ça que je disais à ma femme. Je dis, un jour, elle va devoir accomplir sa mission sur cette terre et on doit s'y préparer. On est qui gestionnaire du don de Dieu. Elle est à Dieu. Dis-moi amen. Amen. C'est-à-dire que tant qu'on ne voit pas les choses de cette manière, on n'aura pas la sagesse apostolique de, on va dire, de les éduquer en tant que des hommes et des femmes de Dieu. Amen. On va les éduquer et faire d'eux des personnes qui sont comme nos objets et notre propriété. Amen. Voilà pourquoi, quand une mère n'a pas son enfant ou l'enfant qui l'a besoin, elle dit, de toute façon, tu ne m'aimes pas parce que tu ne viens plus me voir. Ça devient un amour égoïste. L'amour n'est pas égoïste. L'amour peut lâcher quelqu'un pour partir. Voilà pourquoi le père a lâché le fils prodigue pour qu'il parte. Parce qu'il l'aimait et il ne pouvait pas l'interdire. L'enfant dit, je suis mature. Elle dit, ok, découpe à toi-même la violence de la vie. Peut-être que tu reviendras. Et si l'enfant est immature, l'enfant reviendra. Mais s'il est déjà mature, il prendra son amour. Dieu nous a tout montré. Tu risques de faire la guerre avec ton enfant au moment où l'enfant doit te respecter. Faut que l'enfant te respecte, respecte-le. Ne commence pas à jouer les mêmes cartes que l'enfant. De toute façon, tu es ma maman, tu parles toujours comme ça. Tu perds quelque chose. Devant lui, tu perds. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est ça qu'on appelle la sagesse apostolique. La sagesse apostolique met de l'ordre dans l'église locale, met de l'ordre dans les maisons des fidèles. La grâce apostolique met de l'ordre dans tout ce qu'on fait dans nos entreprises. La grâce apostolique vient pour mettre de l'ordre. Les hommes doivent augmenter leur manière d'aimer leur femme et la femme doit augmenter sa manière d'être soumise. Parce que les deux choses, dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est la parole. Tu n'aimes pas ta femme en Christ, tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas soumis en Église, tu n'es pas qualifié. Dis-moi amen. Amen. Ah, il n'y a pas d'émancipation dans le royaume. Le royaume n'est pas une démocratie. C'est un royaume. Il y a un roi à la tête et nous tous on l'adore. Amen. Il y a plein de choses qu'on a dit, viens goûter, viens te voir. Non, on va l'adorer dans les, pour l'éternité. Ça ne sert à rien d'avoir des pensées de théâtre. Sinon, ta vie, tu ne vas devenir un court-métrage. Dis-moi amen. Il faut arrêter la violence dans la bouche. Écoutez-moi très bien, surtout mes soeurs, je vais vous dire une chose. Vous pensez avoir raison,
mais le monde est en train de vous montrer combien on est en train de vous utiliser. Écoutez-moi très bien. La femme, on va dire, la période où un peu les vies procréées peuvent arriver à 45 ans. Ou à 50 ans, dis-moi amen. Mais l'homme, à cet âge-là, peut encore avoir un enfant. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok? Bon, un homme qui a connu les femmes peut aller chez le docteur pour dire, je n'ai jamais connu les femmes, personne ne peut les prouver. Mais une femme qui a connu les hommes ne peut pas aller mentir au gynéco. C'est-à-dire que la femme porte toujours les traces. Mais maintenant, il faut porter les bonnes. Amen. Dis-moi amen. Il faut devenir sage. Yes. La sagesse, ce n'est pas la faiblesse. La sagesse, c'est qu'on calme en haut pour que ça se manifeste en bas. Sois sage devant un homme qui est brutal. Tu verras combien au monde a connu mon azur. Amen. Dis-moi amen. Amen. Quelqu'un qui commence à dire non. Tu le laisses crier, faire les Jackie Chan. Dès qu'il a fini, ok? Dès qu'il a fini, toi tu mets mal à terre. Et puis, amen. Amen. On est en train de la terre. Tu vois, hein? Amen. À bas la terre. Hein? Ah. Tu mets mal à terre. Et tu fais quelque chose qui est contraire à quelqu'un qui est fâché. Amen. Tu vois, quelqu'un qui te vient mal à l'aise. Il y a quelqu'un qui commence à marcher comme ça. C'est ça. Tu vois, quelqu'un qui. Après, il va devenir champion en pardon. C'est vrai, hein? Seul! On a somme! On a somme! C'est ça! C'est ça! Tu descends, tu l'as eu. Tu l'as eu! Parce que si tu vas, hein, mais hein! Mais quand toi tu vois, amen! Et toi, si lui, quand il ne sait pas parler juste comme toi, il va finir par te blesser. Je te dis la vérité. Toi, tu parles trop vite. Au moins, quand il dit non, on ne se comprend pas. Toi, tu es déjà là. Tu es là. Tu as déjà fini toutes les insultes. Et puis, lui, il a dit mais yo, ma confiance. Ça a commencé. Tu perds une dame. Alors que dans la sagesse, Satan a encore resté là. Dis-moi, amen. C'est la sagesse apostolique au quotidien. Amen. Il me reste combien de temps? Plus d'or. Et un papier. 10 minutes, merci. Ok, on va bien utiliser les 10 minutes là. Accrochez-vous parce qu'on va aller un peu vite. Mais on a déjà noté les deux définitions. Hein. Ok? L'autorité de l'église, c'est de trouver le premier amour. Enfin, d'autres termes pour faire ce que l'on a vu faire au Père comme le premier fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'autorité apostolique et prophétique dans l'Église, c'est retrouver la capacité de faire ce que le Père fait. Ce qu'on a vu faire le Père, on retrouve cette capacité-là, dis-moi amen. C'est qu'on n'improvise plus dans la vie, mais on fait ce que le Père fait. Parce qu'on a la capacité de lire ce que le ciel fait, donc le Père accompli, et on le manifeste. On redevient comme Christ. Dis-moi amen. Jésus a accompli tout parce qu'il ne faisait pas sa volonté. Pourquoi est-ce que Jésus a accompli tout? Parce qu'il ne faisait pas sa volonté. Pourquoi est-ce que Jésus a tout accompli? Parce qu'il ne faisait pas sa volonté. Tant que tu fais ta volonté, tu ne peux pas tout accomplir. Ta vie, tu ne sauras pas l'accomplir. Parce que tu l'amènes selon ta volonté. Tu pries, mais tu as ta manière de voir. Tu adores Dieu, mais tu as ta manière de considérer les choses. Tant que c'est comme ça, il y aura une guerre entre la volonté de Dieu et ta volonté, mais entre les deux, c'est ta volonté qui va jouer. Amen. Voilà pourquoi on ne redevient pas la tête dans tout ce qu'on fait. On devient que la tête dans là où Dieu a prévu qu'on soit la tête. Amen. Et quelque chose que le pasteur avait publié, il a dit, ne force pas. Si Dieu t'avait mis au monde pour que tu atteignes 60% de l'onction, et toi tu dis c'est 120%, tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire quoi? Tu vas arriver à accomplir, non pas comme celui qui a accompli. Celui qui l'a accompli, c'est sa destinée. Mais toi, tu vas être sûr que tu as accompli le modèle de pourquoi tu es venu sur la terre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est pour cela que dans cette mentalité, la compétition meurt. Parce que un pasteur peut être appelé pour 5 brebis et un autre être appelé pour 300 brebis, mais les deux c'est le même maître. Amen. Dis-moi amen. Amen.
parce que Jésus veut seulement qu'il soit perfectionné. C'est pour cela que je vous donne tous un conseil. Ne cherchez pas les foules, cherchez les disciples, cherchez les hommes qu'on peut bâtir, mais ne cherchez pas les foules, ne cherchez pas d'aller prêcher dans les stades, de passer cette mentalité. Entrez dans la mentalité que Dieu est en train de générer dans cette époque, qui n'est pas la foule, mais qui est bâtir les hommes, afin qu'ils deviennent des hommes capables et des femmes capables dans la vie. C'est défendre dans la maison, dans la société, dans la communauté, en train de vaincre partout et à tous égards. Amen. 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 C'est fini. C'est fini. Reste encore 5 minutes. C'est fini. Le temps où on est en train de faire de la paix près, c'est fini. C'est le temps où Dieu va amener vers les bergers qui aiment les brebis. C'est le prix des brebis. Les brebis qui représentent seulement la dîme. On te regarde au visage de la dîme. On te regarde au visage des offrandes. Si tu n'as pas ta dîme pour te prendre ton offrande, on s'occupe pas de toi. Non! On doit aimer comme Christ a. Amen. L'Église peut accepter de bouger dans une autre dimension. Dis-moi, amen. On doit accepter qu'il y a un modèle excellent. Dis avec moi, il y a un modèle excellent. Amen. Dis avec moi, il y a un modèle excellent. Amen. On doit accepter de bouger vers là. Dis avec moi. Amen. Merci. On doit accepter de venir parfois au culte. Pendant les 3 heures, on était adoré. Après, on rentre à la maison. On vient au culte pendant les 3 heures, on a qu'enseigné. On a chanté 2-3 fois. Il y a des fois même les chants, c'est une distraction. Je te dis la vérité, il y a des moments où la personne est en train de chanter, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas la présence de Dieu, on est en train de forcer les choses. Il faut qu'on arrête les choses qu'on fabrique nous-mêmes. On doit dire, la Bible déclare ceci, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont réellement fils de Dieu. On ne doit pas conduire nos vies, mais on doit se laisser piloter. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le pilote de ma vie. Oh, c'est beau. On peut se lever dans 5 minutes. On peut se lever, levons-nous bien aimé. Tu dois pouvoir te débarrasser de ta chair. Tu as des mains, aujourd'hui tu meurs, tu te laisses. Aujourd'hui tu meurs et je te laisse. Et moi-même. Ah, ceux qui sont en Belgique, est-ce que ça se passe? J'espère, parce que moi je vous demanderai des comptes. De savoir comment est-ce que vous avez écouté, de toute façon vous me connaissez. Vous allez amener vos cahiers. On va voir comment vous avez médité. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Oui, c'est l'école. Oui, oui, oui. Dieu va amener ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes debout là? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais prophétiser, je vais dire ceci. Que celle qui était stérile reçoive maintenant la capacité d'enfanter au nom de Jésus-Christ. Je parle à la femme stérile. Je parle à celle qu'on a dit que c'est pas possible que tu aies des enfants. Dieu m'a envoyé de violenter tous les problèmes de tes trompes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui va me saisir, je viens violenter ça. Si tu es violente, c'est le jour aujourd'hui. Tu peux attraper cette parole, ça va se manifester. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Lève nos mains. Jésus-Christ, je viens en devant de ton trône avec ce peuple si nombreux. Mais toi, Seigneur des armées, tu les aimes comme ils sont. Tu les connais chacun par leur nom. Tu connais leur adresse. Tu connais leur tracas et leurs problèmes. Seigneur des armées, au-delà de ce que j'ai enseigné, donne-leur, Seigneur des armées, de capter ta volonté d'être bâti et non pas seulement excité, de se lever en esprit, comme tu l'as dit, lève-toi et sois éclairé. Mais Seigneur, je prophétise encore que ceux qui cherchent le travail le trouvent. Seigneur des armées, ceux qui cherchent les foyers, ceux qui cherchent les solutions, peu importe la solution, je viens violenter ce qui te fait défaut pour que l'éternel se manifeste. Seigneur, mets ta main dans les endroits où nous ne pouvons pas y aller. Seigneur, arrache ce qui doit être arraché et établis ce qui doit être établi. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce peuple marche, comprenne ta saison, que cette communauté bouge dans une dimension supérieure, qui bouge au point d'attirer les autochtones, les personnes de ce pays, les gens de ce pays. Alléluia. Amen. Seigneur, je prophétise. Seigneur, tu rentres dans les ministères de l'intercession. Tu rentres dans le ministère de l'adoration. Tu rentres dans le ministère des enfants. Seigneur, tu mets de l'ordre. Tu mets de l'ordre dans ces ministères, dans les ministères d'intercession.
tu leur donnes la capacité, non pas seulement de voir les démons, mais de voir ta volonté, de voir la capacité, de voir où tu es en train de bouger, pour que nous puissions pousser l'homme de Dieu à bouger dans la présence de Dieu. Nous rentrons, Seigneur, dans la présence de l'adoration, parce que l'adoration, c'est la plénitude de notre appel sur cette terre, de pouvoir adorer Yeshua. Seigneur, je prophétise sur le ministère d'adoration, en tant que les vrais adorateurs, se qualifient, Seigneur, de les amener. Ceux qui vont recevoir des cantiques, recevoir des musiques, recevoir la visitation angélique, où les anges vont leur donner des cantiques, le Seigneur lui-même va leur donner, la grâce à l'adorer. Oh, je veux la grâce de l'adoration. La grâce de l'adoration. La grâce de l'adoration. La grâce de l'adoration et la grâce de l'intercession. C'est une lutte qui est en train de se déverser. L'adoration va battre les lèvres ici, va monter. L'Éternel va faire monter la dose de l'adoration. Alléluia. L'Éternel est en train de baptiser ici les deux grâces d'intercession et d'adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'intercession et d'adoration, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la grâce. Merci pour l'atmosphère. Merci d'avoir limité, limité, caché, Seigneur. Brisé ce qu'il est. Seigneur, de les amener enchaînés. Seigneur, de les rendre libres. J'ai dit, Seigneur, de les amener rendre libres. Alléluia. Alléluia. Salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Obtiens le résultat que le Seigneur veut faire dans ta vie. Accomplis la volonté de Dieu. Amen. J'ai pour ma santé. Et que l'Éternel te choisisse pour l'intercession internationale. Là où il va commencer à te montrer des cas, des personnes, en fait que tu puisses sauver les gens qui veulent tomber. Donc tu veux tomber dans le péché. Dans le secret, dans l'intercession, de les sauver, afin qu'il est temps de plus jamais. Afin qu'il est temps de plus jamais. Tu reçois la grâce de l'intercession de l'adoration. Reçois cette grâce dans le Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, donnez-moi encore 5 minutes, juste 5 minutes, de pouvoir opérer, de pouvoir faire, donner l'impact de ce que Dieu voulait faire dans cette communauté. Alléluia. Chez pour nous, son Dieu. Il est mandable de ce type. Il est chama. Que Yeshua te voit maintenant. Que Yeshua te voit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Elle entend ça? Elle entend le conseil? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu viens dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Au partir d'aujourd'hui. Tu vas voir les choses clairement. Dans ta famille, il y a des hommes de ténèbres, il y a des travaux de ténèbres, il y a des carrières de ressources. Et c'est le temps que Dieu va venger. Tu comprends? Le temps que Dieu va venger. On voulait que des enfants chez vous. On voulait la mort de tes enfants. Il y a quelque chose que vous avez limité au point même que l'argent ne traîne pas dans les mains. Mais l'Éternel veut dire que je brise la mort, on va dire la pauvreté et toutes les choses qui ont organisé la faiblesse autour de vous. Que l'Éternel puisse les manifester dans ta vie. Que tu viennes ici en train de témoigner la grandeur de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Retiens ça. C'est la phrase de toute ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour raconter le merveilleux de l'Éternel. Que ta vie soit parce que l'Éternel peut t'utiliser. L'Éternel peut t'amener quelque part en train de t'utiliser. Mais il faut que tu apprennes à t'asseoir, à écouter parce que là où tu es en train d'aller, est très loin. L'Éternel me dit ceci, qu'il va maintenant visiter ta vie. Il va visiter ta vie. C'est-à-dire que c'est tous les 360 degrés de ta vie que l'Éternel va visiter. Alléluia. Que tu es en train de partir au devant de sa face et tu cherches et je te dis assieds-toi d'abord, mange avant de m'envoyer. Amen. Amen. Chez vous, Alléluia. Je vois une très grande portée dans le niveau, dans le niveau de la société. Je vois une très très grande portée dans ta vie. Je vois que Dieu va te faire entrer dans les. En étant un homme influent au niveau de la société, économico-politique. Alléluia.
Le Seigneur te dit ceci, sois juste un homme qu'on ne peut pas acheter. Dieu te dit, ne sois pas un homme qu'on peut acheter, qu'on peut corrompre. Car aussi, je vois que tu es en train de construire beaucoup de choses et Dieu me montre beaucoup de choses que tu as dans ton cœur et des projets. Mais à des fois, tu ne sais pas quelle chose, quoi commencer, où commencer. Mais Dieu m'a donné la synthèse de toutes ces choses et ça va se présenter devant toi. Les portes vont se présenter, les portes vont s'ouvrir et tu vas comprendre que c'est Dieu qui a intervenu dans cette grâce-là. Alléluia. Et quand même, je te dis ceci, je te bénis, mais je travaille ton cœur afin que tu ne sois pas corrompu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a une grâce qui vient de. Est-ce que c'est parce que les cheveux ne sont pas bien? Tu peux enlever ça? Tu peux enlever ça, les cheveux? Enlève ça un peu. On est dans la présence de Dieu. Amen. Enlève ça. Peu importe le cheveu, le Seigneur peut enlever ces cheveux-là. Dis-moi amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Dieu t'appelle à la violence dans la foi. Il y a eu beaucoup de complexes dans ta vie, beaucoup de choses. Il y a des fois, il y a tellement que les doutes t'assaillent. Mais Dieu te dit, il brise la dimension du complexe dans ta vie et Dieu te remet la capacité d'avoir l'assurance. Mais te dis une chose, ne parle pas beaucoup. Chez vous, l'intercession vient dans ta vie et la capacité de voir. Dans cette église, il y a des gens qui vont voir des manifestations claires et nettes angéliques de Dieu. Le ciel va commencer à descendre dans cette communauté. Dis-moi amen. Le Seigneur est avec vous. Et la prochaine fois, on aura assez de temps. Dis-moi amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu te voie. Que Dieu te rende riche comme tu le veux pour les enfants. Amen. Amen. Dans le temps qui nous viendra, on aura plus de temps pour faire le ministère et libérer le vie par la parole prophétique et apostolique. Amen. Que le Seigneur vous visite tous. Et je crois fermement que je viendrai encore dans cette communauté et je verrai qu'on sera dans une autre dimension. Le surnaturel est venu. On voit ça. Voilà. Et je vais finir par cette action. Chez vous. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, écoute-moi bien. Tu vas m'obéir. Et sur plate, on va t'emmener. Elle marchera. Et vous n'allez plus avoir le droit de pouvoir toucher à la manifestation de la stabilité de sa vie. Qui sont ces gens? Je maudis toute source d'attaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare que c'est ta servante. On ne peut plus toucher comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je déclare la guérison. On va dire l'accélération de la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au-delà de ça, je déclare encore la percée prophétique. Qu'elle entre encore dans les zones où, Seigneur de les armées, on est enseigné. Seigneur de les armées par l'école prophétique céleste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que, Seigneur, tu as agi et tu l'as fait. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclamons l'Éternel. Acclamons Dieu. Je suis vraiment entendu. Je passe pour les annonces. Merveilleux de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai. Thank you.
et par le temps. Nous allons continuer à jouer les manières. C'est bien-aimé du Vénal de la Belgique, qui est derrière, à Clermont-Ferrand. Et vous levez. Je vous lance simplement pour saluer dans le nom de Jésus-Christ. Qui vous accompagne encore pour ce travail que vous faites pour soutenir l'œuvre de Dieu avec votre foi du cœur. Et que notre Dieu soit votre Dieu. Et que ce que vous faites soit pour la gloire du Seigneur. Parce que vous savez, à chaque fois que cet homme se déplace, il y a toujours des gens qui le suivent. C'est une bénédiction de nous avoir. Donc franchement, accrochez-vous. Dieu fera de vous des êtres exceptionnels. Ceux qui sont là pour la première fois, hors que les gens de la Belgique, comme ça a été dit, ne partez pas. Amen. J'ai vu la famille de frère Alfred. Papa. Maman. J'ai vu ma mamie aussi. Ne partez pas s'il vous plaît. On n'a pas eu le temps de savoir d'où vous venez. On court derrière le temps. Mais je vais simplement demander à ce bien-aimé-là, ne partez pas. Vous voyez le nom de Dieu à la fin. Amen. Je vais, par un message que ce qui me tenait à cœur, ça fait une semaine, ça se répète. Ça concerne le couple. Essayez de fermer toutes les portes, si c'est possible. Parce que vous savez, s'il y a quelque chose que le diable déteste, c'est de voir deux personnes se mettre ensemble. Que ce soit dans la prière ou dans la vie commune. Donc, couple, essayez de fermer toutes les portes parce qu'il y a un vent de tempête qui va secouer, qui risque de secouer. Si vous ne le comprenez pas, vous ne le saisissez pas, vous serez étonné. Mais Dieu prévient toujours avant que les choses arrivent. Amen. Voilà. Dieu te bénisse. Merci. Qui te garde encore un peu plus dans ce travail. Maman, continue à soutenir. C'est bon que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons terminer notre culte. Donc je dirais, il y a un enseignement qui a commencé, un séminaire qui a commencé. Pour ceux qui étaient là hier, je pense que c'était une bénédiction pour nous. Amen. Vous avez raté peut-être hier, mais allez-y sur la page Facebook de l'église. Et on les clôturera dimanche et samedi. De 12h à 14h, on sera pile à 14h parce qu'on a notre programme après 14h. Donc là, j'invite non seulement les célibataires, mais les couples, parce qu'on va aborder le grand thème de mariage que le prophète a anticipé de tout. Parce que le même esprit qui va jouer. Mais ceux qui étaient là hier, je pense, nous étions bénis. Amen. L'homme périsse parce qu'il manque de connaissance. Et si on peut apporter la connaissance pour les enseignements, c'est une grâce. Amen. Vous êtes invités, ou parce que l'objectif 2017, c'est de bâtir un bon fondement sur les couples. Je suis d'accord. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Alors, nous avons béni ton nom et nous étions bénis parce que tu étais avec nous et que ta grâce nous a accompagnés de tout ce que nous avons fait. Sois élevé, éternel de gloire, pour ces hommes et ces femmes qui se sont déplacés pour venir t'écouter au travers de ton serviteur. Bénis l'instrument qui t'a choisi ce matin pour nous parler de ta part. Et accompagne la grâce et la bénédiction que tu as posée sur chacun d'entre nous au travers du message, au travers des prières. Sois glorifié au Seigneur de gloire au travers des hommes et des femmes qui, dans l'ombre, par leurs prières, fait en sorte que l'Église puisse progresser et que le culte puisse être un récite. Récite pour nous, Seigneur de gloire. Je t'en supplie, Père. Que ta main ne s'écarte pas de nous. Que tu ne t'éloignes pas de ton peuple. Alors voilà pourquoi je dis simplement que nous voulons nous séparer
Mais spirituellement, nous voulons rester ensemble avec toi, Jésus. Amen. Et nous mettons notre animation, Seigneur, de gloire. Laisse que cette semaine, Seigneur, que tu as permis que nous puissions rentrer, je le déclare béni. Je le déclare prospère. Que ce soit une semaine où nous allons vivre encore la manifestation de ta grâce dans nos vies, dans tous les domaines. Alors que les portes s'ouvrent dans nos vies cette semaine. Que ta grâce, Seigneur de gloire, nous accompagne. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec nous. Que tu puisses, oh mon Dieu, mourir, contrôler le cœur de notre sœur Ida et toute sa famille qui est éprouvée, Seigneur de gloire. Et nous avons cette conviction, Seigneur de gloire, qu'avec toi, comme nous dit dans la parole de Dieu, nous vivrons et nous ferons des exploits. Et avec l'espoir de se retrouver vendredi, samedi et dimanche, de tous les programmes que nous t'avons soumis, afin que tu puisses les agréer. Et c'est là que nous les déclarons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la paix et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.